know what to make. Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je crois que c'est Shaggy. Ali. Yo tout le monde. Et je suis avec Alex. Wesh. Aujourd'hui, la team, on est un peu dégoûté parce que en fait, on devait aller à Avignon rejoindre l'idéal. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je compte sur vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et bref, aujourd'hui, en fait, on a trop la haine. En vrai, vous avez la haine un peu plus. En vrai, on a on a un peu la haine. Parce qu'en fait, on devait décoller, comme je vous ai dit, aller voir l'idéal. Mais ça s'est pas passé comme prévu parce qu'en gros, écoutez bien cette histoire, comprenez-la surtout. En gros, il y a la copine à ma mère qui devait venir à Grenoble passer le nouvel an avec ma mère. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Comme d'habitude. Vous connaissez les Arabes, ça se passe jamais comme prévu. Il y a eu une alerte à la bombe. Très bon cliché. Hein. Il y a eu une alerte à la bombe à Lyon. À la gare de Lyon. La gare de Lyon. Ça veut dire qu'ils ont bloqué le périmètre, vous connaissez comment ils sont, ils font sortir tout le monde. Ils sont là avec des lance-roquettes, des fusils de sniper sur le colis piégé. Je sais pas ce qu'ils me racontent. Alors qu'au final, ils vont ouvrir la valise, il y aura des affaires, il n'y aura rien dedans. Vous savez très bien les alertes à la bombe commencer. 90% des alertes à la bombe que j'ai vu dans ma vie, moi, il n'y a rien à la fin. Ouais, après, vaut mieux ça que. Après, comme j'ai dit, vaut mieux, voilà. Mais bref, du coup, voilà, ils sont là-bas à Lyon, alerte à la bombe, etc. Et du coup, la copine à ma mère, elle est bloquée à la gare. Et la copine à ma mère, en fait, elle est bloquée à Lyon. Et Lyon-Grenoble, ça fait 1h15, 1h30 si tu roules bien et tout. Ouais. Et du coup, Abdel, bon qu'il est, il a dit bon, allez, vas-y, je me dévoue, je vais la chercher. Donc Abdel, là, il vient de partir, il est 20h à Lyon. Il est parti à Lyon, tout simplement chercher la copine de ma mère et la déposer chez ma mère. Du coup, voilà, ça fait un sacré bordel. Ouais, bah, parce que l'idéal, du coup, il est un peu triste. Parce qu'il venait tout préparer. Il a loué la villa, il a préparé tout. En fait, nous, on avait juste à le rejoindre. Et l'idée, ça fait il a payé la villa, il a tout fait. Ça fait 3 jours non-stop que l'idée, il cherche des villas dans tous les sens. Il n'y a aucun Airbnb qui a accepté parce que, bah, avec le confinement, le nouvel an, ils voulaient tous pas louer en fait. Ils acceptent personne. Du coup, voilà, c'est un peu la merde. Mais du coup, on en a trouvé un pour qu'on puisse pas y aller. C'est génial. Tout simplement. On a préparé toutes les valises et tout. En vrai, t'en penses quoi de cette histoire? De cette histoire? Ouais. J'espère qu'on part ce soir. Hein. Ah, si on part ce soir, ce serait bien. Ok. Mais il est un peu intimidé, mais c'est pas grave. Il est un peu timidé, ouais, sur la chaîne de Gaming Stress quand même. Vas-y, exprime-toi dans la chaîne. Exprime-toi, Ali, action. Allez, vas-y. Parle allez. Un peu. Oh putain. Wesh. Oh, tu me fais le youtubeur, toi. Oh, on dirait qu'il fait une dissert. Non, je comprends pas. Il n'y a pas de cut dans cette vidéo. Voilà, Tim, le pauvre, on l'a trop intimidé là. Le pauvre. Ah, c'est rigolo. En vrai, la team, c'est normal. Même vous, si on vous met devant une caméra, vous allez être. Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai des gaming stress. Mais bref, en tout cas, en vrai, de vrai, de vrai, je pense qu'on va partir demain, maximum. Soit on part ce soir, soit on part demain. Voilà, comme je vous ai dit, en tout cas, l'idéal, mon bébé, sur la vidéo. L'idéal, on t'aime. Je suis désolé, mon bébé. Et on te jure, c'est pas un prank, on te le jure. Mon bébé, l'idéal, je suis désolé, mon bébé. Je te jure. Désolé, l'idée, on t'aime. Je sais que t'es dégoûté, mais t'inquiète, mon bébé. En plus, l'idée, il a cherché et tout. Il a cherché pendant 3 jours. Il a la mort, je veux dire, il a la mort. Jusqu'à la dernière minute, il a trouvé un truc pour qu'on puisse être tous ensemble. Il n'y a qu'un seul propriétaire qui a accepté. Et au moment où l'idée nous appelle, on dit ouais, les gars, venez, c'est bon. On reçoit l'appel de la mère d'Abdel qui nous dit bah, il y a ma copine qui est bloquée et tout, machin. Ah oh, c'est et Abdel, vous le connaissez, il va pas laisser quelqu'un bloquer. Non, bah non. Ah, regarde, il va dire, vas-y, je vais la chercher. Il va la chercher, et puis voilà. Bon, c'est un peu la merde, écoutez, hein, mais. En tout cas, comme je vous ai dit, on a fait nos valises, on a tout préparé. On a tout préparé, hein. Les valises sont devant la porte là-bas. Sont devant. Tout est prêt, on devait juste partir. On avait que ça, en fait, on attendait juste ça. Il était parti faire des courses à Carrefour, on a préparé les valises, on attendait qu'il revienne de ses courses. Hop, il est revenu, et voilà. On a eu tout ça. Donc, après, c'est McTube, hein. Des fois, on n'est pas parti, c'est qu'on aurait fait un accident, quoi. On sait pas, voilà, peut-être que voilà, c'est comme ça. C'est un peu la merde quoi. Bref. Mais dites à Abdel qu'on part vite. Dites-le en commentaire. Ouais, part vite faire des vidéos avec l'idéal. Toi, parce que vous. Tu bouges tes fesses. Ouais, parce que vous, ils vous écoutent bien et nous, ils nous écoutent pas. En tout cas, voilà la team. Pour ceux qui me demandent, etc., ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une alerte à la bombe à la gare. Et vous, vous connaissez les alertes à la bombe. La plupart du temps, il n'y a rien. Mais bon, s'ils la font, c'est qu'ils ont suspecté quelque chose. En tout cas, voilà, la copine à ma mère, elle est bloquée là-bas encore. Et je pense pendant un bon moment. Je pense que c'est ouais, pendant un bon moment. Parce qu'ils ont bloqué le périmètre. Ouais. Ils lui ont dit carrément de faire rembourser son billet et tout. Parce que bah, impossible pour elle de voyager. Donc bon, c'est la merde. On n'arrête pas de le dire, mais parce que c'est vrai, on est semé. Et juste, pour vous dire, du coup, dans les anciennes vidéos, on avait dit que ça allait être un chalet, etc. C'est une petite maison. Du coup, non, en fait, on va pas dans un chalet parce que du coup, les chalets, c'était beaucoup trop cher. C'était à des prix exorbitants. Et en plus, pareil, ils étaient encore plus chiants, les proprios, etc. Exorbitant.
parle très bien français. C'est exorbitant ce qu'il y a. Bref, c'était la merde. Du coup, on a trouvé une villa du coup dans le sud, vers Avignon, je crois. Voilà, c'est là-bas. C'est à 30 minutes d'Avignon. C'est à 30 minutes d'Avignon. Du coup, on va retourner encore dans le sud. C'est pour ça aussi que on dit que c'est la merde pour y aller. Parce que ça serait à côté, encore un chalet, ça irait. Mais du coup, c'est parce qu'on retourne dans le sud. Rien, franchement, non, ça ne devrait pas faire de la route. C'est que de la route. Après, une fois que t'es là-bas une semaine. Après, c'est normal, c'est pas toi qui conduis. Mais conduire, c'est rien conduire. Bon, après, Abdel, il conduit des 14 heures. Tu mets le poste. Oh, t'as conduit. Déjà conduit? Non, jamais, mais c'est. Ah, t'as conduit la RS1, l'accident, hein? Non, en vrai. C'est quand on prend sa RS, on va à la rocade? Je suis chaud, moi, mais en vrai, la team conduire, c'est. Après, moi, j'ai jamais conduit, mais je vois ce que c'est. T'as jamais conduit? Non. Tu vois ce que c'est? Ouais? Jamais. T'es sûr? Ça fait quoi? Jamais conduit, moi. Jamais. Jamais. Pourquoi un jour je t'ai croisé sur le périph' comme ça? Y'a pas de périph' à Grenoble. Bref, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ne soyez pas un peu dégoûté que vous voyez pas d'elle ce soir. On vous a fait quand même fait une petite vidéo pour vous expliquer la situation. Et du coup, il y aura sûrement pas de live aussi. Ah oui, bah oui. Il y aura sûrement pas de live, voilà, je tiens à vous le dire. S'il fait un live, bah vous avez la réponse, c'est qu'on n'est pas parti. S'il y a pas de live, bah c'est qu'on est. Mais il n'y aura pas de live parce qu'il va arriver tard. Je pense pas parce qu'il va arriver tard. Donc, au cas où aussi, c'est pour vous prévenir, il y aura sûrement pas de live ce soir. Mais voilà. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, désolé. Désolé. Ça se dit malencontreusement? Non. Non, ok. C'est du chinois. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Voilà, c'était Momo. C'était le frérot Alex. Abonnez-vous à nous, les gars. Parce qu'on profite, il est pas là. Abonnez-vous. C'est vrai qu'il est pas là, on fait notre pub. Mais même quand il est là, on fait notre pub. En fait, on s'en fout, on fait notre pub. En fait. Bref. Voilà, c'était toute l'équipe réunie. Voilà. Ciao la team. Ciao. Ciao. On a toujours pas réussi à faire 8 minutes. Ça, Alex, ça. Gaming.